Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va très bien. On se retrouve. Eh, je m'en fous, je garde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex, l'épisode 2. On peut pas vraiment dire que c'est des épisodes, mais voilà, la deuxième vidéo Urbex de la chaîne. Cette fois, ce sera dans une sorte de ferme un peu. Là, ce sera beaucoup plus grand que la première vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, abonnement, partage. Soutenez le monteur derrière qui est en PLS en regardant s'il y a une voiture derrière lui. Et c'est parti! Wesh! Ah, je l'ai, je suis en train de fumer, wesh! Il va se péter la gueule! T'en fais gaffe, hein, prends-le bien, voilà. Oui. Hop. Ah quoi, excuse. Parfait. Et nous, on fait quoi, nous? On fait une vidéo urbex. Donc, j'avais vu un petit spot pour poser nos vélos. Donc oui, je suis déjà venu vite fait pour voir de l'extérieur. Allez, on pose le petit vélo. Et nous, on va visiter. Donc comme vous avez vu, comparé à la première vidéo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Là déjà, tout ça, c'est abandonné, donc on va le faire. Ça, pareil, pareil pour ici, là. Tout. Là, il y a vraiment tout ce qu'il y a là, c'est abandonné. C'est pour ça que je vous disais l'épisode 1 ou au début de l'épisode de cet épisode là que ça ressemble un peu à une genre de ferme, parce que justement il y a plein de maisons tout autour et on peut s'imaginer une sorte de ferme un peu au milieu. Bah moi je dis qu'on commence par ici. Ouais, on commence par ici, après on va visiter un peu tout. Après on ira là, donc il y avait une porte. Attends, vas-y, je vais me mettre de côté. Ouais, voilà, je te laisse une de ton côté pour qu'on ait deux plans. On se sépare un peu, mais pas trop loin, parce que là, c'est beaucoup plus grand. Si tu veux, ouais. Eh, je vais peut-être prendre la mienne, hein. Je vais peut-être prendre ma lampe aussi, hein. Mythique, c'est incroyable le truc, hein. Mec, le joystick, il aide beaucoup. Hein. Que dalle. Oh, ça pue. Ça pue le facochère. Oh, ça pue. Mec, ça pue la pisse, hein. Ouais, y a que là, ici. Oh, ça pue la merde, ouais. Oh, c'est incroyable. Ça éclaire rien du tout, j'ai l'impression. Oh, vite fait, vraiment. Après, le temps de dire, il fait un peu jour, mais genre, ça, c'est vraiment pour les endroits dans le noir complet, à mon avis. Ah, putain, je crois qu'il y a un coucher de soleil. Attends, viens voir. Putain, je l'ai vu à travers la porte. Hein. Attends, on va faire un petit kiff visuel avant de commencer l'urbex. Putain, tu me fais peur. Oh, oh non, là c'est pas un coucher de soleil, là c'est juste un éblouissement. Bon, bah, viens, on va prendre. Ouais, on va là. C'est parti. Oh putain. Ok. Ma lampe, elle est debout. Hein. En fait, ça se voit que c'était vraiment un endroit de stockage un peu. Ouais. Ah, c'est bien tellement elle est forte, elle éblouit le truc. C'est vraiment bien que t'aies ta lampe parce que du coup, ça, pour la vidéo, ça rend un truc de ouf. Et là, bah, que des trucs de stockage, des. Bidon de jeu, je ne sais quoi. Là, il y a un truc, encore un truc froid. Ok, avant, il y avait plein de trucs ici, non?
devait être un genre de stockage du bidon ici. Hein. Ouais. Devait avoir plein. Oh, je suis à l'étage. En fait, ça, c'est, je crois, c'est une machine. Oh, regarde, il y a rien. Il y a un truc. Oh, non, c'est, ça a l'air pas solide. Ah non, non, regarde la gueule des planches là. Ouais. C'est même pas des planches, c'est des. Tôle. De la tôle. Bon, bah, viens, on continue l'exploration ici. Bon, il n'y a pas grand chose là. Hein. C'est juste une grande salle avec des objets. On n'a pas été voir ici. Un verre. Tac, ouais, ici. Bon, on va, ici, il voilà. n'y a pas grand chose intéressant. Donc, on va visiter un peu le reste. Bah, viens, on va là-bas. Ouais, on va suivre sinon. Le frère, elle est trop bien. Je fais la tac-tac-tac. C'est si nuit, peut, ils ont bouché ici. On va voir si on peut ouvrir. Alors, on ne casse rien, c'est pour ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment bouché. Non, c'est pour ça. On vous rappelle comme ça, enfin, on vous rappelle quand même que ce qu'on fait, c'est juste pour le kiff. Il n'y a aucun intérêt, mais c'est juste parce qu'on aime. Tu feras gaffe à plein d'artistes. C'est parce qu'on aime bien, enfin, on aime vous partager ce qu'on fait, ce qu'on aime, etc. Oh, mais voilà. On ne casse rien. Comme ça, si, imaginons, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit qu'en réalité, c'est. Une armoire. Et qu'en réalité, c'est privé, et bien comme ça, on sera au courant. On fait juste ça pour le kiff, on ne cherche pas à casser des trucs. T'as cette. Écoute. Ça fait deux fois que j'entends un bruit de pas. Ah ouais ? Oh non, je te jure, ça fait deux fois que j'entends un truc taper. Non, c'est le ciel. Non, vraiment. Ça fait deux fois que j'entends un peu comme le bois taper. Elle est vieille, cette armoire. Un tout petit peu beaucoup. Ouais, je vois qu'il y a un mini marteau. Ah non, regarde, c'était ça. Oh, tu m'as fait peur, ouais, mec. Ouais, c'était ça, le bruit. Tu vois, je t'avais dit, j'avais entendu un truc. En fait, c'est juste une plaque. Attends, je vous montre. Oula. Mec, le stabilisateur, il n'aime pas. Mec, il y a des gens, ils ont joué à domino. Ah, c'est ça. Hein? Non. Tu sais, les trucs, là, les bâtons qu'on doit retirer sans faire bouger. Il y en a un, ouais. Là-bas. Montre. Là. Attends, c'est où? Juste là, sur ma lampe. Voilà. Ah ouais, mais c'est, non, mais c'est pas ça, c'est trop épais ça. Non, mais tu sais qu'il y en a des gros, hein. Je sais pas. Mais ça devait être un truc à cheval. Ça, mon avis, ouais, ça, c'est genre là, tu vois, armoire, échelle. Putain, l'échelle de malade. Où ça? Regarde l'enfer. Elle est énorme. C'est pas une échelle. C'est, tu sais, bloquer le foin ici, là, et genre, ils passaient leur tête, les chevals. Et là, ils attachaient les trucs. C'était un enclos, je pense. C'est pas plutôt genre pour les vaches? Ouais, un peu. Tout quoi, hop, on continue un peu. Oh, la poupoff, est-ce que ça s'ouvre? Ça, je sais pas, je pense pas. Il y a un canal, non, même pas. Ouais, je pense que ça s'ouvre. Non, ouais, non, c'est cliqué. Ok, je vais aller voir la voiture là, totalement cassée. Elle a même plus de moteur. Aussi, des petits bidons là, c'est des bidons. Ouais, ce mec, il y a la porte à l'intérieur. Moi, je t'enverrai à la poupe. En fait, là, mon avis. Bon, c'est une voiture sans permis. Alors, bien évidemment, je vous le dis, si vous nous voyez en train d'ouvrir des portes ou quoi que ce soit, on les referme derrière nous. Genre, imaginons si cette porte-là, en face de nous, là, elle s'ouvre, et ben, on va la refermer dans tous les cas. Wesh, elle est morte, hein. Mec, tu veux un peigne? Un peigne? Ouais, il y a deux, trois peignes. Regarde, là, on voit l'intérieur. Incroyable. Bon, on va visiter en face. Incroyable. On va visiter un peu en face, là. En face, là-bas? Là. Ok. Comme ça, bah, du coup, si on peut ouvrir, on ouvrira, mais on refermera derrière nous. Et mon... Ah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre? Ouais, regarde. Vraiment, là, il y a tout là. Oh non, ça s'ouvre, normalement. Ouais, ça s'ouvre. Oh, le bruit. Tu essaies d'ouvrir, moi, je filme. Je peux pas. Attends. Incroyable. Y'a un truc? Je sais pas. Oh, c'est une échelle. Oui, y'a une machine, mon pote. Attends, décale-toi. Ah, filme de ton côté, je mettrai le... Juste pour qu'on passe. Attends, j'ouvre un peu encore. Ah, j'ai pas réussi.
quoi. Les bidons, il y a des pelles, il y a des balais. Oh, la machine, wesh. Là, là, là. Attends, essaye de refermer. Moi, il ne refermera pas. Wesh. Ça se ferme pas, cette merde. Ah non, bah, les gars, on aura essayé. Hein. Et là, il n'y a pas d'excuse. En tous les cas, t'as pas, personne ne peut passer avec cette épaisseur. Moi, je dis qu'on a visité un intérieur de la maison. Et ben, on va. Et si on peut passer, bien sûr. D'abord, elle est là-bas. Il y a une porte là. Toi, t'attends là-bas, là-bas. Ouf, c'est une cave. Oui. On va y aller tout à l'heure, attends, viens. Mec, mec, mec. Quoi? Elle est immense. Regarde comment elle est immense. Au niveau quoi? Maintenant? Ouais. Ça fait bader un peu. Parce que là, si je. Imagine, on n'aurait pas de lampe. Elle éclaire pas la mienne. C'est parti. Je te laisse passer en premier. Ça fait peur. Clairement peur. Ça pue. Vas-y, viens, on y va pas. Je sais pas, je sens pas bien. Ok. Mais par contre, elle est immense. Parce que, les gars, je tiens à vous dire, c'est bien, on fait une vidéo urbex. Mais on va pas non plus trop loin. Les gars, on est que deux. On a, je dirais pas l'âge. En tout cas, on n'est pas majeur non plus. Mais voilà, on va pas non plus aller dans des endroits. T'en viens, je crois qu'on peut l'ouvrir. Un frigo et tout. Mec, c'est incroyable ici. C'est énorme. C'est bien, nickel. T'es prêt? Ok. Ok, ok. Ouais, non, c'est abusé. Quoi? Il y a encore une autre salle là-bas. T'es mal, manteau? Ouais, ça c'est. Mec, c'est vraiment tout noir. Mec, il y a le feu d'arrosage. Là, par contre, il y a une vraie échelle. Là, il y a une échelle pour échelle. Waouh, c'est quoi ça? Attends. Donc, t'as l'envers le haut et filme. Enfin, mets vers là. Là, derrière ça. Ah, je sais pas ce que c'est. Filme, attends, attends. Il y a rien, c'est bon. Parce que les gars, on vérifie. Wesh, c'est quoi ça? Mec, moi j'y vais pas là-bas. Regarde ça. Des bouts de toi. Je t'enverrai ça. Ça. Allez. Bon, je t'enverrai les plans de ça. Tu refermes. Attends, faut refermer. Un tac. Ah ouais. Ok, bon allez. Là, c'était un enclos à chien, je pense. Attends. C'est bien ça, tu peux y aller dedans. Bah oui. Mais par contre, bah tu vois le toit qui est cassé là. Attends, mais on peut monter là. Le toit qui est cassé ici. Attends, attends. Non, mais on peut monter là. Ouais. Tu montes ou quoi? Bah comment? Ah ouais, là, bien vu. Wesh, c'est quoi dans ce? Oh là, des fumées. Wesh. C'est une fumée. Vas-y, je te laisse éclairer, moi, je filme bien. Sinon, filme aussi de ton côté, ce que je pense. T'as des meilleurs plans là. Ah. Petit cage. Regarde un peu ce qu'il y a. Deux portes. Ah, ok, d'accord. Attends. Explique que je lui donne un coup de coude. Ouais. Oh, je m'en fous, je laisse. Je. C'est quoi ça? Maintenant, regarde. Il y a une putain de table.
T'as filmé ta maison? C'est ma mère, moi je vais voir. Oh, la porte là, elle amène ici. Ah, c'est la même. On va sortir parce que là c'est plein de toiles, c'est plein de. Et il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais vas-y, c'est tellement vieux ça. Mec, le gars qui travaillait ici ou qui habitait ici, mec, il travaillait, mais qui faisait des allers-retours entre Paris et je sais plus quoi comme ville. C'est bon, c'est comme avant. Oh putain. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir celle-là. Il y a des trucs. Oh, c'est le dos. Viens, on ouvre. Dans tous les cas, on ferme. Oui. Ah, mais t'as des plans, bah oui. Vas-y, ouvre. Attends, c'est. Comment? Bon. Bah, on peut pas ouvrir. On ouvre pas parce que c'est pas possible. Dans tous les cas, pour refermer, on arrête. Bah, vas-y, je prends les plans à l'intérieur. Ouais. Incroyable. J'espère que la vidéo vous plaît. C'est le dawa. C'est très clairement le dawa ici. Ah, des cadenassés. Non, non, elle peut s'ouvrir. Oh, les anciennes portes avec les trappes. Wesh. Oh, mais attends, mais c'est une maison. Mec, on peut rentrer. Mec, c'est une maison. Oh, nickel. Ok, nickel, c'est bon. Vas-y, passe. J'en paye. J'ai comment elle était fermée, à mon avis, y'a personne. Mec, l'heure, mec, c'est. C'est quoi ça? Wesh, c'est quoi ça? Wesh. L'urbex de malade. Hein? Mec, c'est un urbex, mon pote. Cette surface là, il est quand même bien. Ok. Quoi? J'ai rien. On peut pas l'ouvrir à la porte. On va regarder au cas où s'il y avait pas des gens. Tiens. Les boutons là? Il y a là les boutons. Wesh, c'est quoi ça? Oh, il y a encore des salles derrière. Oh, c'est une ancienne maison. Probablement la maison est propriétaire. Il y a une porte là-bas, il y a une porte là-bas. C'est des cadenas. Des cadenas, des cadenas. Attends. Je prends pas les couches. Quand ça passe pas, faut forcer. Encore une chambre. Attends, essaye de passer à la lumière. Faut essayer de faire plus de points avec un truc. Pour profiter du stabilisateur. Ça, c'est une chaudière. Wow. Oui. Je vais pas là-bas. Oh, l'étoile. Viens, viens. Viens, on va la lampe. Super. Mais qui en fait que j'étais malade. Oui. Moi, je sors. Mais lui, il y a une porte là-bas, mais elle est ouverte, mais je sais pas si. Viens, on y va. Mec, j'ai trop envie. Je suis trop envie. T'es sûr? Ouais. Vas-y. J'en fais que c'est malade. Je ne peux pas se relancer ta vidéo. Ah, t'as déjà montré cette vidéo. C'est pas grave, le chef est ouvert. J'ai fait le tour de toilette.
que sa mère, moi je viens pas. Putain, non. Lève-la l'étoile d'araignée. Mais qu'il y a encore une porte. Elliot. Elliot, il y a encore une porte là-bas. Donne-moi encore une porte. Ferme la clé. Attends, viens, regarde dans l'autre salle si ça joue cette porte-là. Mec, tu as des vases pour chez toi ou des plats? Et des bols aussi. Intéressant. Je passe devant. Ouais, c'est là. Mec, il y a juste un truc dégueulasse. C'est quoi cette turbex de ouf? Tu vas Tu veux une bière? Ah non, je vais pas. Ton avis, l'eau, elle marche encore? Non, elle marche plus. T'es chaud, tu prends une douche? Regarde la douche, la vieille douche. Elle était immense, je sais pas pourquoi elle a été abandonnée cette maison. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Une chambre à air de vélo. On trouve que son bonheur ici. Moi je te le dis. Bon, je pense qu'on a fini cette urbex, hein. Ah mais il était incroyable, hein. Là. Est-ce qu'on tente le plus gros pour terminer? C'est quoi, attends, passe ta lampe. Suis-moi. On finit en beauté avec la cave. Je m'en fous, on y va. Ouais. Prenez-moi, tu pars pas sur un truc. Non. Wesh. Peut-être ta mère a fait flipper la cave. Tout fait un peu flipper dans la vie. Les bouteilles là. Non, voilà, peut-être demain j'y vais pas là-bas. Non, n'y va pas. Sors la lampe. Tiens. Ouais, elle est immense la cave. Tu veux une bouteille de vin? Non. Ah, putain. Oh, les vieux trucs comme ça là. C'est un tonneau. Ouais. Bon, en vrai, ça faisait pas si peur que ça. Enfin, c'est juste une cave quoi. Oh. Il y a un trou dans la maison. Regarde. Oh, ça aurait été trop stylé. On essaye ou pas? Là? Ouais. Oh, toi, tu veux terminer tout en beauté là. Tiens, la lampe si tu veux. Merci. Oh ouais, le vélo. Moi je pense que avant c'était une chambre. Et c'est devenu un grenier. Tiens. On descend? Ouais, là, par contre, on a vraiment tout fait. Hein. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a énormément plu. Faut que j'avoue quand même que comparé à la première vidéo urbex, c'était quand même mieux. Là, on a pu découvrir beaucoup plus d'endroits et c'était quand même beaucoup plus urbex que la première vidéo, on est d'accord. Hein. Parce que la première vidéo, bah, c'était juste une maison, il n'y avait pas beaucoup d'objets, alors que là, vraiment, c'était rempli d'objets, il y avait plein d'endroits. Même, on a escaladé, on est descendu dans une cave et tout. N'hésitez pas à lâcher le petit like avant de m'en partager. Déjà, pour soutenir le caméraman, moi, le monteur, et juste bah, nous faire comprendre que vous aimez les vidéos urbex. Bon là ça va faire un petit peu flipper parce que si on reste un peu plus longtemps il va faire nuit. Exactement. Du coup, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à me partager, ça me ferait vachement plaisir. Et en tout cas, nous on vous dit tous, sur la prochaine.